Hello, hello, je suis Marie-Lonie, coach. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio. Votre coach dans les domaines de la santé, la beauté, technicienne dans les soins et imperfections cutanées de la peau. Si toi qui me regardes, par exemple, tu me suis depuis longtemps, tu profites de mes astuces, tu profites de mes super conseils ou alors de quoi que ce soit, et que tu n'étais pas abonné, sincèrement, je pense que ce serait le meilleur moment de le faire, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent depuis longtemps sans s'abonner à ma chaîne. Alors, si tu me regardes et que tu fais partie de cette personne-là, vraiment, n'hésite pas, abonne-toi maintenant parce que c'est le seul moyen pour toi de soutenir le travail, les efforts que moi et mon équipe nous faisons pour vous disposer ce travail, pour vous disposer ces vidéos et ces informations si précieuses. Si tu étais de passage également, tu me regardes pour la première fois, tu es tombé sur ma vidéo YouTube, je t'invite également à t'abonner. Non seulement c'est gratuit, mais tu profiteras de toutes les informations, de toutes les recherches dont nous mettons à votre disposition. Vraiment, tu auras tout en temps et en heure à ta disposition. Dans tous les cas, abonnez-vous, activez toutes les notifications. Bien, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Marie-Lonie ajoute dans la marmite comme ça? Le gingembre, l'ail et j'en passe. Oui, on va fabriquer une huile pousse-cheveux dont vous pourrez utiliser avant votre shampoing et aussi comme huile quotidienne. Avant d'aller à la recette, mes amours, je vais vous présenter ce sérum capillaire croissance rapide. C'est une composition de plus de 20 huiles pour faire pousser vos cheveux d'une extrême façon. Car vous devez savoir qu'il y a des personnes dont les cheveux ne poussent pas naturellement et dont elles ont besoin de ce genre d'huile. Je vous garantis des résultats surprenants. Ce sérum capillaire pour une croissance rapide des cheveux aux huiles 100% naturelles de graines de figue, de barbarie, de pépins de raisin, de chanvre, de ricin, de gingembre, de laurier et beaucoup d'autres encore. Booste la pousse du cheveu. Ces soins-là peuvent s'utiliser ensuite tous les jours sur les longueurs et les pointes et même sur le cuir chevelu à tout moment de la journée. Elle s'accompagne de ce masque mayonnaise hair super pour soins et entretien des cheveux. Ces deux produits vont ensemble, ok? Que vous pouvez trouver sur notre site internet, mes amours, www.marilonicoche.com. Cette hair mayonnaise est un traitement intensif à l'aloe vera et au gingembre qui baigne les cheveux en protéines 100% naturelles pour les hydrater, pour éviter que les cheveux se cassent. Et s'ils sont déjà endommagés, alors ce soin va réparer vos cheveux endommagés. Ce soin, mes amours, ces deux produits renforcent vos cheveux, les rend souples et très 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 faciles à coiffer, n'est-ce pas? En ingrédients, nous aurons besoin d'une plante d'aloe vera fraîche, ok, de culture biologique. N'hésitez pas à commander sur notre site internet www.marilonicoche.com. Ensuite, nous aurons besoin de l'huile de coco bio de première pression à froid, de quelques gousses d'ail, d'une grosse goutte d'ail à trois petites gousses d'ail, une tranche de gingembre, l'huile d'avocat, environ une demi-tasse, l'huile essentielle de menthe, le beurre de ghee. Préparation. Nous allons d'abord commencer par râper tous nos ingrédients, le gingembre avec sa peau et l'ail sans la peau. Ensuite, prenons notre aloe vera dont nous avons préalablement lavé, bien sûr, coupons les extrémités, enlevons la peau et avec une cuillère ou un couteau, procédons à l'extraction de sa pulpe. Ensuite, nous allons mettre notre marmite au feu. Mettez le feu assez doux pendant environ 25 minutes, ok? Nous allons progressivement mettre dans notre marmite de l'huile d'avocat, environ une demi-tasse comme je l'ai mentionné. L'huile d'avocat est riche en agents hydratants, en protéines et en vitamines. Elle pénètre rapidement dans le cheveu, diffuse donc en profondeur ses multiples bienfaits. Elle va activer la production des nouvelles cellules et favoriser donc la repousse extrême. Ensuite, rajoutons notre huile de coco de première pression à froid, riche en acide laurique. Celle-ci permet de protéger vos cheveux au quotidien. Cette huile magique favorise également une pousse rapide, répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur subtile parfume agréablement vos cheveux. Enfin, l'huile de coco possède des vertus anti-pelliculaires et anti-peau. Ensuite, rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de chanvre ou alors pour ceux et celles-là qui n'en ont pas, rajoutez simplement une cuillère à soupe de beurre de karité. Ensuite, rajoutons notre gingembre dont nous avions au préalablement râpé avec sa peau. Sachez que si le gingembre possède des vertus aphrodisiaques et énergisantes bien connues, certaines autres le sont moins, comme c'est bien fait pour les cheveux, ayant pour effet d'augmenter l'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu. Une cure de gingembre permettrait d'accélérer la pousse des cheveux. Ensuite, rajoutons nos 3 morceaux d'ail. L'ail est bon pour l'entretien et la repousse du cheveu. Il est aussi utilisé pour des
les problèmes de chute de cheveux ou mieux encore pour les sublimer. Permet également d'assainir le cuir chevelu et de lutter contre les pellicules, de favoriser la vitalité des bulbes pileux, d'améliorer la pousse des cheveux. Ensuite, rajoutons notre bol de pulpe d'aloe vera. Voilà, nous remuons très bien pendant le temps indiqué, bien sûr. Après les 25 minutes, mes amours, nous allons éteindre le feu et nous allons laisser refroidir. Après refroidissement, nous allons à l'aide d'un tamis extraire ou alors filtrer notre huile extra pousse de cheveux. Rassurez-vous de très bien retirer le maximum d'huile possible de notre mélange, ok? Après avoir fait cela, nous allons rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe et une cuillère à soupe de beurre de gué. Voilà. Après extraction, mettez dans une boîte avec couvercle, ok? Ou alors dans un vaporisateur. Cela vous facilitera la tâche lors de l'utilisation. Ainsi, vous pourrez également bien conserver votre fabuleuse huile. Pour l'utilisation, cette huile est une huile passe-partout, ok? Même avant votre shampoing, vous pouvez l'utiliser. Vous imprégnez une bonne quantité avant votre shampoing. Vous laissez poser environ 4 heures avant de faire votre shampoing. Par contre, si vous voulez l'utiliser tous les jours comme huile, alors ne mettez pas l'ail lors de la préparation, tout simplement du fait de l'odeur, n'est-ce pas? Regardez sa magnifique couleur, mes amours. Vraiment, cette huile est magnifique. Voilà, mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Bisous, bisous.